Bonsoir tout le monde, c'est Maddy. Alors oui, bonsoir parce que effectivement, j'ai eu envie de vous faire un petit tirage ce soir. Je ne le fais pas très souvent, ça m'arrive. Ça m'arrive quand j'ai une question qui me trotte dans la tête ou une interrogation. Et c'est vrai qu'il y en a quand même une qui me semble importante et que, à mon avis, vous vous posez aussi sûrement. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réveil? Pourquoi est-ce que les gens dorment? Pourquoi est-ce que personne ne s'aperçoit de ce qui se passe? Il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'être extrêmement intelligent pour comprendre que ce que nous vivons depuis 2 ans maintenant n'est pas normal, que nos libertés disparaissent les unes après les autres, que cela ne va certainement pas s'arrêter, que les manifestations, les contestations, les discours, les oppositions, etc., etc., ne changent rien. Et que finalement, pour vivre normalement, eh bien, nous en sommes venus donc à descendre dans les rues. Et la seule réponse que l'on a, c'est la répression policière, voire la répression par l'armée en ce qui concerne l'Australie. Donc, j'aimerais savoir pourquoi finalement est-ce que la majorité de la population ne se soulève pas? Pourquoi est-ce que c'est une minorité, donc combien en France, j'imagine, je ne sais pas. Je ne sais pas les chiffres, mais cela ne fait certainement pas 10% de la population. Ou peut-être que si, allez, 10% qui s'est soulevé. Mais que font les autres? Et moi, j'aimerais savoir pourquoi. Voilà. Donc, en astrologie, je prépare la prochaine analyse de l'éclipse, qui sera en novembre. Il y en a une en novembre, une en décembre, qui, à mon avis, seront intéressantes par rapport à ce qu'elles vont apporter. Celle que j'ai faite était celle du 26 mai, qui me semblait très très importante, puisqu'on y voyait quand même l'intervention de la police, voire de l'armée. Un peuple qui s'éveille. Et c'est vrai que c'est arrivé, puisqu'il suffit de regarder l'Italie, ou l'Australie, ou la Nouvelle-Calédonie, ou encore d'autres lieux, d'autres pays. La France aussi, mais il manque encore un petit peu l'étape suivante qui serait l'armée. Cette éclipse va agir encore un petit peu jusqu'à la prochaine éclipse. Donc on verra si les choses vont escalader ou pas. Voilà. Mais je pense que tout ça n'est pas terminé de toute façon. Pardon pour cette introduction un peu longue. Je pense vraiment avoir des réponses en astrologie, mais là, on va interroger les cartes. Alors, pourquoi est-ce que les gens continuent de dormir? On va prendre ce jeu-là, si vous le voulez bien. Alors, j'ai les bureaux vides et l'infirmière. J'espère que vous voyez bien, parce que comme je fais le tirage le soir, il faut que je fasse attention à la lumière. Voilà, donc les bureaux vides, l'infirmière, les bureaux qui se vident. Et la politique sanitaire. Donc, on peut en fait interpréter ces deux cartes-là de différentes façons. Vous dire après ce que j'ai en tête. Pour l'instant, j'ai plusieurs idées. Je dirais que pour beaucoup, eh bien, c'est par exemple la perte du travail du fait du pass. Ça, c'est une interprétation. La deuxième, c'est qu'il y a eu le télétravail, par exemple, hein. On n'est pas au bureau, donc c'est un changement aussi dans les habitudes, toujours en relation avec la politique sanitaire. Et la troisième, ma foi, ça pourrait bien être le futur, où il n'y aura plus personne dans les bureaux, pour la raison que vous pouvez deviner. Alors, on y va. Pourquoi est-ce que les gens dorment? Alors, j'aimerais ne pas trop tirer de cartes, parce qu'après, on va partir dans des choses trop compliquées. Je vais prendre 4 cartes. Ou peut-être même 5, puisqu'on est en année 5, et que 5, c'est le chiffre du chaos. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne voient pas la réalité comme nous? Nous le voyons, nous, les gens éveillés. Hein, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous voyez les choses différemment que les autres. Voilà. Alors, le grand sommeil. Que se passe-t-il donc dans la tête des gens?
Alors, on a ici des gens, justement. Ah, attendez, je vais pousser. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a ici, effectivement, une espèce de scission qui s'est faite. Hein. Les gens qui prennent un chemin, les gens qui prennent un autre. Alors, ça ne répond pas tout à fait à la question, évidemment. Mais on voit quand même très nettement qu'il y a des gens qui ont choisi une direction et les gens qui ont pris une autre direction. Donc on assiste en fait de façon dramatique, hein, je n'hésite pas à le dire, à une séparation idéologique, pardon, dans nos sociétés, quel que soit le pays. Ici, on a des gens qui planent. C'est exactement ce qui vient de me dire, qui vient de me venir à l'esprit. Il y a des gens qui planent, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire quand on plane, eh bien, on est déconnecté de la réalité. Donc il y a des gens qui ne voient toujours pas ce qui se passe. Alors ici, on a les loisirs ou les plaisirs ou ce qui apporte de la joie. Cette carte-là pourrait être intéressante parce qu'elle pourrait nous montrer que finalement les gens sont d'abord concentrés sur leurs petits plaisirs quotidiens plus que sur la réalité et qu'ils ne veulent pas voir justement que leur pique-nique est gâché. Hein, c'est vraiment ici le refus de la réalité. Et ici, on a des graines. Alors, ces graines qui sont semées, eh bien, on va aller voir ce que c'est parce que ça peut être positif ou négatif. Mais enfin là, je me demandais pourquoi est-ce que les gens dormaient. Alors, ça peut être soit parce que ils sont encore dans les questions de nourriture, de travail, de pain quotidien à gagner. Donc là, effectivement, ils sont concentrés sur leur labeur quotidien. Mais ça peut être aussi les graines qui sont semées et qui vont fausser leur esprit. Tout dépend, hein, si par exemple cette carte-là parle des médias. On va aller regarder ce que ça peut être. Donc je vais reprendre les grandes cartes. Alors certaines personnes trouvent que ces grandes cartes ne sont pas intéressantes. Je ne suis pas trop d'accord. Je trouve qu'au contraire, elles peuvent apporter un éclairage. Maintenant, évidemment, il faut qu'elle soit parlante. Alors, je vais mettre une carte. Je sais que j'ai des reflets de lumière, je le sais. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, de façon à ce que vous puissiez voir. Alors, enfant. Ici. Ici, j'ai douleur. Ici, j'ai rival. Là, j'ai esclave. Cette carte-là est très parlante, je trouve. Et là, on a la nudité ou nu. Ouais. Alors, enfant. Pour moi, ça veut dire. En fait, il y a deux significations ici. Il y a des personnes qui sont encore enfants dans leur tête, donc qui manquent de maturité, par exemple. Hein. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont fait le choix de prendre un certain chemin pour défendre leurs enfants. Bon, je sais bien, il y a deux interprétations différentes. Mais le fait qu'on ait enfant, quand même, c'est assez intéressant. Parce que les enfants, c'est notre avenir. Or, les enfants, aujourd'hui, sont sacrifiés. Je ne vous apprends rien, puisque dans les écoles, il y a le masque. Bon, heureusement, ils ont commencé à l'ôter dans certains départements en France. Mais j'ai envie de dire que le mal est fait, quand même. Il y a des enfants qui sont traumatisés, il y a des enfants qui sont en psychiatrie, il y a des enfants qui ont des retards pour apprendre, puisqu'ils ne voient pas la façon dont on articule les mots, par exemple. Donc pour apprendre, c'est très difficile, hein, puisque les enfants apprennent aussi en regardant autrui. Il y a des interactions sociales qui n'ont plus lieu d'être, donc là aussi, blocage dans le développement, etc., etc. Donc la question des enfants est à mon sens très importante. Je me demande vraiment ce que ces enfants vont devenir d'ici quelques années, vu les traumatismes, malheureusement, que nos gouvernements corrompus ont entraînés du fait de leur politique absolument terrible. Donc ici, on a la question des enfants. Et en fait, ce que le jeu veut me dire ici, c'est qu'il appartient aussi de réfléchir quelle direction prendre en ce qui concerne les enfants. Allons-nous prendre la direction du ne rien voir, ne rien faire et laisser les enfants être sacrifiés? Ou bien allons-nous prendre une direction plus courageuse en pensant aux enfants? Vous voyez que ce n'est pas toujours tout à fait, pardon, une explication du pourquoi
pourquoi le grand sommeil, mais c'est à mon avis quand même ici le cœur du problème, un petit peu, ou le cœur de la problématique plus exactement. Pensez à nos enfants. Les enfants sont en danger, hein. En astrologie, Saturne est dans la maison 5 et ça, c'est très très mauvais. Bon. Donc de toute façon, je savais qu'il y aurait quelque chose par rapport aux enfants en 2021. Bon. Alors la douleur, ben, pour éviter la douleur, on plane. Ça peut être ça, par exemple. Et ici, alors rival, les rivaux ou le rival, c'est les concurrents, donc c'est les gens, par exemple, qui sont contre nous, hein, contre les personnes qui veulent la vérité, qui voient la vérité, qui veulent retrouver la liberté. Donc que fait les rivales? Alors est-ce que ça peut être la propagande? Vous voyez, j'ai parlé de plaisir tout à l'heure, de joie. Eh bien, avec la carte rivale, je dirais plutôt qu'on nous endort avec une belle petite musique qui peut être les radios, hein, les radios, les médias. Donc là, on a une réponse qui serait déjà les histoires de propagande ou les histoires de belles paroles pour nous endormir ou pour nous apaiser. Ici, esclave. Alors, esclave, effectivement, du pain quotidien. Je dirais que cette carte-là nous explique aussi vraiment pourquoi les gens continuent de dormir, hein. Ils ne voient un petit peu que, justement, leur travail, leur nourriture, leurs besoins, leur bien-être. Donc ils continuent finalement à faire ce qu'ils ont toujours fait. On aurait pu avoir la carte habitude aussi ici. Et ici nu, c'est une carte intéressante, hein, nu, nudité. Bien parce que je crois que les gens sont désarmés. Désarmés, donc quand on est désarmé, on est effectivement nu. Et désarmé par rapport au problème. C'est-à-dire que j'ai évoqué le grand sommeil. Ça va être d'ailleurs le titre de cette vidéo, hein. Mais c'est parce que effectivement les gens ne savent plus se battre, tout simplement. Ils ont oublié face aux problèmes, eh bien que les problèmes sont faits pour être combattus. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement encore peut-être une autre carte? Donc là, je pense que vous m'avez suivi, hein. On plane pour ne pas sentir la douleur de voir la réalité. On est nu face aux problèmes désarmés. Les rivaux nous endorment à coups de belle musique ou de propagande. Et on est esclave par rapport, eh bien, au fait qu'il faut continuer à semer, donc à travailler pour vivre. Bon, d'accord. Mais quand même, est-ce que finalement la question des enfants ne pourrait pas suffire à réveiller les gens? C'est ça que je ne comprends pas quand même. Donc, on va voir si on peut encore avoir une carte qui pourrait nous indiquer pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens ne se battent pas plus pour leurs enfants? Pourquoi est-ce qu'ils les conduisent à l'abattoir? Je n'ai pas peur de dire le mot, puisque, ma foi, quand on se sert de son enfant pour qu'il soit un cobaye, je ne vois pas trop quel autre mot on pourrait utiliser. Alors, on a ici des petites cartes. Alors, ce ne sont pas les cartes que j'utilise, hein, mais ce sont autre chose. D'autres cartes ici. On va voir ce que ça peut être, ces autres cartes qui empêchent les gens de se réveiller. Le changement. Le changement. Alors, est-ce que c'est au contraire une carte ici qui pourrait apporter un changement? Est-ce que c'est une carte qui finalement pourrait, cette carte-là, apporter un réveil? Ou est-ce que c'est une carte qui empêche le changement? Pour moi, ce n'est pas clair encore. Donc on va voir. Que sont ces cartes-là? Est-ce qu'elles vont permettre un changement? Ou est-ce qu'elles, justement, elles s'opposent au changement, le changement qui serait le réveil? Je ne sais pas si vous connaissez la série Dune de Frank Herbert, si ma mémoire est bonne. Mais il y avait une phrase qui disait le dormeur doit se réveiller. Eh bien, cette phrase-là me trotte aussi dans la tête. Les gens doivent se réveiller. Alors, justement, le changement. Qu'est-ce que c'est que cette carte-là avec justement des cartes? Ah. Alors, eh bien, on va quand même vers un changement ici, vous voyez. Donc, cette carte-là nous montre qu'il peut y avoir un changement,
puisqu'on a un arc-en-ciel. Alors, voyez que j'ai d'abord considéré qu'on était en année 5, donc j'ai tiré 5 cartes et la sixième carte. J'espère que ça montre l'année 6, donc l'année 2022, où là, on aurait un changement. Et il me vient que ici, ça pourrait être les bulletins de vote. Alors, je sais bien qu'il y en a qui disent, oui, on n'aura pas d'élection. Bah, que vous dire, je n'ai pas été encore voir au niveau astrologique si on aurait des élections ou pas, j'avoue. Hein. Mais bon, en tout cas, il y a des bulletins ici, ou des petites cartes, et ça me fait quand même penser aux élections. Donc, on va considérer qu'on va en avoir, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, il faudra choisir, ici. Et ça pourrait bien provoquer le changement. On va mettre une carte sur l'arc-en-ciel, justement, en espérant que je ne tire pas une carte négative qui irait contredire cet arc-en-ciel. Non, vous voyez, j'ai tiré la carte du cycle. Bon, on va bien rentrer dans un nouveau cycle. Alors, le dormeur doit se réveiller. Eh bien, oui, je pense quand même qu'on va vers un changement et un changement positif puisque j'ai une carte d'arc-en-ciel. Alors ça, ce serait la deuxième partie de la vidéo. Que faire pour avoir le changement? Vous savez qu'en astrologie, enfin, vous ne savez pas, hein, je vois quand même beaucoup de choses en relation avec l'armée. Mais c'est vrai que dans ma vidéo, je n'ai pas pensé un seul instant qu'il pourrait y avoir une loi martiale. J'avais plutôt évoqué que l'armée pourrait intervenir parce qu'il y aurait des gros problèmes. Bon, ceci n'est pas faux, ceci dit. Hein. Ça ne veut pas dire que je me sois trompée. Mais il n'empêche que on en est quand même là. Alors, du coup, qu'est-ce qui va provoquer le changement si ce n'est pas l'armée qui va faire l'intérim de façon positive, sans passer par une loi martiale, ce que je n'espère vraiment, vraiment pas. Donc, j'essaie de me concentrer. Est-ce que le changement sera par les élections ou est-ce qu'il y aura encore autre chose? On a une clé dans une porte. Alors, ça peut quand même montrer une solution, une porte qui s'ouvre. Hein, là, je vais les prendre basiquement. On va faire progressivement ce soir. Hein, si vous... Voilà. Si vous êtes encore là, on va regarder ce que nous annonce cette clé dans la serrure. Un espoir. Vous voyez que... Ouf. Je suis un peu émue au moment où je mets cette carte espoir, parce que j'avoue que quand je vois les gens qui dorment, je commence à perdre aussi un peu espoir. Je dois dire, et je pense que vous aussi. Alors, une clé dans une serrure, une solution, un espoir. On va continuer à demander à nos cartes, qui ne sont rien d'autre la façon dont je me connecte au monde. Évidemment, vous savez ça, hein. Les cartes, c'est ça, c'est un support pour l'intuition. Et l'intuition, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est la façon dont on reçoit des informations du monde, tout simplement. Alors, cet espoir. Donc, on a des gens ici. Donc, en fait, on a vraiment les gens qui espèrent un changement qui serait apporté par les élections et ce qui entraînerait un nouveau cycle plus souriant. Bon. Mais c'est vrai que c'est un espoir. Hein, l'espoir de trouver effectivement une solution. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir ici deux personnes qui collaborent, par exemple? Ouais, donc on aurait deux personnes éventuellement qui pourraient intervenir. Alors, ça pourrait être vraiment deux personnes qui apporteraient un changement en relation avec les élections. Mais ça veut dire aussi que finalement, il faudrait en passer par les élections pour avoir un changement. Ce qui me paraît quand même un peu loin. C'est pour ça que je crois que, en fait, c'est vraiment les questions d'espoir. Cette carte-là, elle est importante. Hein. On reste vraiment dans l'hypothétique ici. L'espoir qu'il y ait deux personnes assez sages pour apporter un changement par les élections, ce qui entraînerait un nouveau cycle, beaucoup plus positif. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver. Donc, on pourrait en rester là, puisqu'on est vraiment dans les choses hypothétiques. On va quand même poser la dernière question pour pas que ce tirage soit trop long et savoir est-ce que finalement les gens vont se réveiller avant les élections et est-ce qu'il pourrait y avoir un changement de même avant les élections. Donc on va voir si les gens vont vraiment se réveiller et monter au créneau hein,
de façon quand même plus massive, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, c'est quand même une minorité, hein. Alors, toujours ces questions de d'alliance ou de personnes qui, comment dire, oui, qui sont alliées, mais qui sont aussi cachées. Alors, on va essayer de voir ce qui c'est ces deux personnes-là. Alors, pardon. Il y a une question de pardon ici. Est-il possible qu'il y ait des personnes finalement qui vont changer de camp, j'ai envie de dire. On va voir. Ou alors, ce sont des personnes finalement qui vont s'apercevoir qu'elles se sont trompées. On va essayer d'en savoir plus parce que j'ai l'impression que cette carte-là, elle est importante. Ah oui, on a bien la carte de la maladie qui sort. Donc, les gens qui sont malades. Donc, on a bien des histoires ici avec le courage. Ah oui, on a bien ici des histoires de personnes qui vont demander pardon, j'ai l'impression. Qui vont s'allier même. Et qui vont faire preuve de courage par rapport à des maladies. Pour moi, ce sont les gens qui se sont trompés là. Hein, qui demandent pardon, qui se sont trompés. Peut-être par rapport justement à une certaine idéologie, une certaine croyance. Hein. On peut y voir ici les histoires de croyances. Et qui vont donc témoigner avec courage, par exemple, du fait de maladies. Hein. On peut aller loin. Ça peut être ça. Alors, j'étais partie sur les histoires de changement. Qu'est-ce qui pourrait faire que les gens changent? Est-ce qu'il y aurait un changement éventuellement avant les élections? Je pense vraiment, vraiment qu'on devrait en savoir vraiment dans les prochains mois. De plus en plus au sujet justement des maladies à cause des effets que vous connaissez et qu'il y a des gens ici qui vont témoigner, qui vont demander pardon. Alors, soit pardon parce qu'elles se sont trompées et donc elles vont faire marche arrière par rapport à ce qu'elles croyaient, hein. Soit finalement elles vont demander pardon elles-mêmes, hein. Soit ça va être des personnes qui étaient dans une certaine idéologie et croyance ici et qui vont faire demi-tour, hein, qui vont finalement faire volte-face. Et qui vont témoigner avec courage. Hein. Ça peut être des médecins, par exemple. Hein, ou ça peut être encore d'autres personnes. Bon, en tout cas, je pense que quand même, on devrait avoir de plus en plus de personnes qui vont témoigner et parler. Et ça peut être quand même, j'espère, un déclencheur. On va voir, puisque ces cartes-là sont sorties. Est-ce qu'il peut y avoir justement, par rapport à ces personnes-là, ou ces témoignages, donc, qui vont être courageux, est-ce qu'il peut y avoir une influence sur le réveil de nos dormeurs. Alors, ben, tiens, on pourrait avoir effectivement des gens qui se décident à combattre. Là, on va voir. Et avec un chef. Donc, quelqu'un qui prendrait quand même la tête des combats. Alors, ce fameux chef que, bon, on n'a pas vraiment, hein, mis à part Florian, on n'a personne. Mais là, on a des choses quand même qui pourraient faire se réveiller nos dormeurs et qui passeraient par ces deux cases-là. Et c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus de personnes qui témoignent. Hein. Bon, il faut savoir chercher où trouver ces témoignages, mais bon, si on veut chercher, on trouve. Donc il y a quand même ici des choses qui pourraient intervenir. Et qui ne serait pas de l'ordre de l'espoir, cette fois, mais de l'ordre de vraiment de fait, c'est-à-dire de choses réelles. Parce que le jeu peut me dire si je suis sur la bonne voie. Donc on a bien des gens ici qui vont se soutenir, effectivement, qui vont se serrer les coudes. Hein. D'ailleurs, on voit les deux personnages, hein, ils sont coude à coude, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, la carte, vous la connaissez, hein, c'est pas la première fois que je la sors. Donc il y a des gens ici qui vont se serrer les coudes. Et même qui peuvent se sentir coupables, justement. Vous voyez, on a pardon coupable, toujours par rapport à des questions de maladie. Donc, à mon avis, on va avoir vraiment des gens qui vont parler. Mais qui vont se repentir et demander pardon. Hein. Ah, il y a vraiment ça. Hein. Ouais. Donc là, on aurait un chef qui viendrait quand même, ma foi, apporter des choses au combat, quoi. Combat mené par autrui.
qu'est-ce que combat mené par tout le monde. Excusez-moi, je commence à être un petit peu fatiguée, pardon. Donc, je vais peut-être arrêter là. Donc, le dormeur va se réveiller, oui. Oui, je pense, vraiment. Mais ça va prendre du temps. On va essayer de voir si on peut avoir une question de temps. Mais à mon avis, ça va être vraiment en relation avec ici. Hein. Alors, est-ce que les gens vont se réveiller encore sur 2021? Ouais, le problème, c'est qu'il y a la corruption. Et ça retarde beaucoup, 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 beaucoup. Ça retarde beaucoup les choses. Voilà, aimer l'argent. Bah, l'amour de l'argent qui fait que, justement, et c'est pour ça qu'à mon avis, il va falloir du courage aussi aux gens pour parler, hein, parce que la corruption, elle est là. C'est-à-dire, j'étais étonnée de ne pas avoir eu cette carte-là avant, parce que pour moi, la corruption est aussi au cœur du problème, hein, ce qui fait que les gens ne parlent pas. Donc forcément, les gens ne parlant pas, eh bien, les autres personnes qui continuent à planer ne sont pas informées et continuent finalement à rester passifs. Donc, la corruption est au cœur du problème. Bon, voilà. Donc, le dormeur va se réveiller tout doucement parce que les gens vont parler de plus en plus et puis qu'il y a certainement des gens qui vont faire amende honorable, je suppose. Mais il faut bien garder en tête que les histoires d'argent sont au cœur du problème, la corruption. Donc, il va falloir vraiment eh bien, tomber sur des gens courageux, incorruptibles, j'insiste, hein, qui finalement apporteront de l'aide, puisque ces gens-là, n'étant pas corruptibles, eh bien, auront tendance à quand même dire la vérité. Voilà, donc c'était un petit tirage ce soir. J'avais envie de savoir ce que les cartes allaient me dire. Merci toujours de votre fidélité. Merci beaucoup. Hein. Restons solidaires, restons courageux, battons-nous pour nos enfants. Et puis, ne cédons pas à la tentation de la propagande. Merci beaucoup encore. Au revoir.